Le chef de piste jette un dernier coup d'œil. Mettez en route. On passe un papier au pilote. Perpignan, signal ciel clair, vent nul. Barcelone, tempête. Sur le cadran de l'altimètre, le soleil miroite, un soleil lumineux et glacé. Un coup de palonnier, le paysage entier dérive. Dans 5 heures, Alicante, ce soir, l'Afrique. Bonjour, messieurs. On a quand même fini par arriver. On a quand même fini par y arriver. Une première partie jusqu'à Perpignan qui s'est super bien passée. Mais quand on a passé les Pyrénées, là, la tempête. Le mec, il nous dit passer vers l'intérieur des terres. Bon, ok, on va vers l'intérieur des terres. Et là, bam, on se fait secouer dans tous les sens, les montagnes. Bon, ok, on n'y arrivera pas. Demi-tour, on retourne vers la mer. Et là, il nous dit, ah ben non, vous êtes dans les zones des terrains d'approche et machin, vous pouvez pas. Donc descendez pour passer en dessous. On descend. Un premier niveau, puis là on commence à se prendre de la flotte et puis on voit la glace qui se forme sur le pare-brise. Et ces avions-là, tu peux pas les faire givrer, quoi, parce que la glace, ça se pose sur les ailes, ça se pose partout, ça augmente le poids, ça bloque les commandes et tout, tu peux pas faire ça. Donc il a fallu descendre, jusqu'à ce qu'on retrouve des températures positives, et là on a vu que ça commençait à fondre. On a dit c'est bon, c'est jouable, mais par contre la mer est pas loin, quoi. Ouais, il arrive quoi que ce soit, tu peux pas te poser, rien du tout. Ouais, ouais, mais après, quand on est descendu, au bout d'un moment, on a retrouvé un temps qui était un peu plus clément, on a réussi à remonter un petit peu, se remettre des marges de sécurité. Mais on est arrivé, on était sur les rotules, quoi. J'imagine. L'avion s'enfonce dans cet air sans ressort, l'avion s'enlise. Vent d'est, on est aveugle. Le soleil est roulé dans ses volutes jaunes, sa face pâle parfois émerge et brûle. La terre n'apparaît qu'à la verticale. Et encore, je cabre, je pique, je penche, va-t'en voir. On plafonne à 100 mètres, tant pis, cherchons plus bas. L'avion, péniche trop chargée, pèse 1400 tours. Les derniers sables jetés en halle à 20 cm des roues, pelletés rapides, pelletés d'or, une dune sautée démasque le poste. Ah ! Je coupe ! L'élan du paysage freine et meurt. Ce monde en poussière se recompose. Bonsoir à tous, on est très heureux d'être là. Comme l'a dit Yves, donc, qui est lui-même acteur de théâtre, le projet Citadelle s'est basé sur l'histoire de Saint-Exupéry et de l'aéropostale, donc ces avions qui descendaient le courrier jusqu'en Afrique, souvent au péril de leur vie et souvent en sachant pas très bien où s'arrêter et d'où repartir, et tout était un petit peu compliqué. Et nous, au lieu de distribuer des lettres, eh bien, on distribue de la lecture et de l'échange culturel. Donc on l'a fait pour l'instant en France, en Espagne, c'est notre première étape en Afrique, donc on est très heureux. On espère aller jusqu'à Dakar et il y a donc des avions et des ULM, donc des tout petits aéronefs qui nous suivent sur tout le trajet et qui sont un petit peu en retard parce qu'on a déjà eu des soucis mécaniques, donc c'est vraiment comme l'aéropostale à l'époque. Le symbole à l'époque, c'était relier les hommes entre eux par le courrier, et ici c'est relier les hommes entre eux par cette expérience de rencontre. Donc le lien est artistique, il est musical, il est poétique, il est littéraire. Nous devons croire en la puissance et en la force de nos mots. Armons-nous, que la connaissance soit notre épée et la solidarité notre bouclier. Nous sommes des âmes divisées dans des sociétés divisées. La vérité d'hier est morte, celle de demain est encore à bâtir. Respect de l'homme. Respect de l'homme. Thank you.
tard, les premiers sommets du petit Atlas passaient invisibles, silencieux, entre deux eaux, comme des icebergs à la dérive. Toutes les étoiles, lavées, neuves, la lune, oh la meilleure des lampes, le terrain d'Agadir, c'est clair, je m'en fous bien de sa lumière, j'ai la lune. Il y a une sorte de donjon roman, si j'ose dire, entre le texte en tant qu'écriture et le texte en tant que vie. Donc donnez à vous-même ce plaisir de chercher la paix qui existe dans chaque texte littéraire. C'est ça ce que fait la beauté de la littérature. Chers amis, le 9 octobre 2012, les talibans m'ont tiré une balle dans la tempe. Ils ont aussi abattu mes amis. Ils ont dit que les balles me feraient taire. Elles ont échoué. Et des milliers de voix sont sorties de ce silence. Mes faiblesses, mes peurs, mon désespoir sont morts. La force, le pouvoir et le courage les ont remplacés. Si on amenait un truc tout fait, clé sur porte, ce serait stérile. Mais non seulement il y a cette rencontre, mais il y a aussi ce côté complètement improvisé. Je ne sais jamais ce qui va se passer sur scène. Bonsoir aux enfants, bonsoir aux grands qui sont derrière. Et donc on va vous parler un petit peu de Saint-Exupéry et de son expérience de pilote d'avion dans les années 1920. Vous arrivez à suivre les enfants? Oui. Je vais demander à nos amis de jouer tout doucement en même temps. Et comme ça, même si les mots sont un peu compliqués, vous pouvez écouter ça comme une belle chanson. Ma petite maman, je suis pour l'heure chef d'aéroplace à Cap Juby, où je mène une vie monacale. Je vais bien. J'ai quelques avions à essayer et beaucoup de papiers à remplir. Quelle vie de moine je mène. Dans le coin le plus perdu de toute l'Afrique, en plein Sahara espagnol, un fort sur la plage, notre baraque qui s'y adosse, et plus rien pendant des centaines de kilomètres. La mer, à l'heure des marées, nous baigne complètement. Et si je m'accoude la nuit contre ma lucarne à barreaux de prison, nous sommes en dissidence. J'ai la mer sous moi, aussi proche qu'embarque, et elle frappe des coups toute la nuit contre mon mur. L'autre façade donne sur le désert. Les avions passent toutes les semaines. Entre eux, c'est 3 jours de silence. Monsieur, DA40 au parking, on souhaiterait les paramètres et la mise en route pour Nouadhibou.
fait de me retrouver voilà, en un rien de temps dans un autre pays avec d'autres coutumes, d'autres gens, une autre langue. C'est ça qui me fascine un métier de pilote, faire en sorte de faire face à ce qu'on a et de s'adapter au réel, moi c'est ça qui me passionne. Alors maintenant on est en Mauritanie, Port-Étienne, 1927. Ma petite maman, je vous écris de Port-Étienne où je suis en escale. C'est en plein désert, il y a bien trois maisons. Dans un quart d'heure, nous repartons. 4 jours de voiture sur les confins du Sahara en Mauritanie. Nous naviguions à travers la brousse comme des tanks. Je suis invité par un chef mort à Bouti Limite. Cela peut être intéressant pour la ligne. Il fait une chaleur effarante dans ce doux Sahara. Par contre, la nuit, tout sue de l'eau. C'est un drôle de pays, mais captivant. S'enrichir ou mourir, tel était leur credo. Ils s'entassent par centaines dans des pirogues de fortune pour essayer d'atteindre des côtes européennes. Certains arrivent à destination, mais malheureusement, pour la plupart d'entre eux, le rêve de l'Eldorado européen se termine en mer. Soit mort ou porté disparu à jamais, à jamais, à jamais. Dungurumi majekei putaludi ngarejeten jale mede andemoye. Caminante, no hay camino. Toi qui marches, il n'existe pas de chemin. Todo pasa y todo queda. Tout passe et tout reste. Pero lo nuestro es pasar. Mais le propre de l'homme est de passer. Pasar haciendo caminos. Passer en faisant des chemins. Caminos sobre el mar. Des chemins sur la mer. Caminante, son tus huellas. Toi qui marches, ce sont tes traces. El camino y nada más. Qui font le chemin, rien d'autre. Caminante, no hay camino. Toi qui marches, il n'existe pas de chemin. Se hace camino al andar. Le chemin se fait en marchant. Parce que l'Afrique, le monde arabe, a besoin de ses rêves pour retrouver le chemin du courage. Besoin de ses princesses pour retrouver le chemin de la vérité. Parce que la Mauritanie a besoin de ses femmes pour retrouver le chemin de l'excellence. Les oiseaux migrateurs portaient le message des cavaliers attribués armés volaient à son secours. Oui, l'aérodrome Milou ici en fait. Oui, on a atterri à l'aéroport de Nouakchott tout à l'heure. Assez proche de nos héros Mermoz et Saint-Exupéry et Guillaumet qui volaient en 1920-1925, puisque nos aéronefs font à peu près le même poids, à peu près la même puissance, à peu près la même vitesse. Bonjour Mohamed,
Et ici Jérôme, c'est un challenge administratif également. Il n'est pas uniquement technique, c'est-à-dire que les ULM ne sont pas reconnus internationalement et chaque pays peut les accepter à sa guise. Donc c'est toujours des négociations. Je t'appelle Mohamed parce que nous avons ici un monsieur qui prétend nous facturer du handling pour 40 000 Ouïghours. Bah ouais, pour cette fois, il faut qu'on paye. Voilà. Enfin, bon, voilà, on va payer. Il ne s'agit pas seulement d'aviation. L'avion, ce n'est pas une fin. C'est un moyen. Ce n'est pas pour l'avion que l'on risque sa vie, ce n'est pas non plus pour sa charrue que le paysan laboure. Par l'avion, on quitte les villes et leurs comptables, et l'on retrouve une vérité paysanne. On fait un travail d'homme, et on connaît les soucis d'homme. On est en contact avec le vent, les étoiles, avec la nuit, avec le sable de la mer. On ruse avec les forces de la nature, on attend l'escale comme une terre promise et l'on cherche la vérité dans les étoiles. Je suis heureux de mon métier, je me sens paysan des étoiles. Tout de même, je l'ai respiré, le vent de la mer. Ceux qui ont goûté cette nourriture une fois ne peuvent l'oublier. Il ne s'agit pas de vivre dangereusement, cette formule est prétentieuse. Ce n'est pas le danger que j'aime, c'est la vie. Au Stango Bravo, piste 36, vent 360 degrés d'île, autorisé à l'atterrissage. Rouler vers le parking. Alors, bravo pour quitter et puis merci beaucoup pour votre aide. Merci infiniment. Je vous en prie. L'aéroport est le dernier grenier, je dirais, où les animaux peuvent bruter de l'herbe en ce mois-ci. C'est pourquoi donc ils en profitent, ils utilisent les brèches pour entrer dans l'aéroport. Cet aéroport même a marqué l'histoire de l'aviation mondiale. En l'occurrence, Saint-Exupéry, Mermoz et j'en passe, ils ont été les premiers à utiliser ce terrain. Et ça n'a pas changé depuis longtemps. C'était l'architecture demeure la même depuis l'époque coloniale, ça n'a jamais changé. Pour colorier notre existence, la rendre vivante, pour accentuer notre ivresse de vivre et de vibrer, rien de tel que l'avion. Cet appareil volant imitant l'oiseau naturel. Envole-toi bien loin de ces miasmes morbides. Va te purifier dans l'air supérieur. Et bois comme une pure et divine liqueur le feu clair qui remplit les espaces limpides. J'ai rarement eu l'occasion de me fondre comme ça dans la peau d'un personnage. Il y a des extraits que je lisais de Saint-Ex où il décrit simplement ses vols et ce qu'il a vu. Et moi, je l'avais réellement vu et ressenti le jour, quoi. Toute ma vie, j'ai rêvé d'être une hôtesse de l'air. Toute ma vie, j'ai rêvé de voir le Badao. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir des talons hauts. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir les fesses en l'air. Thank you.
Vas-y, ça gonfle ou pas? Oui. Alors qu'on a eu encore le dernier jour une crevaison, nous avons quand même pu venir à Mbumba le 22 février et in extremis en ouverture du festival à Sahel ouvert. Donc mission accomplie, il y a eu des galères, mais on est très contents. La 4e édition Festival de Mbumba. Voilà, 4e édition du Festival à Sahel ouvert. Chaque année, vous aurez aussi toujours des grands et des grands musiciens d'Afrique et d'Europe. Mbumba. De visa, les portes sont ouvertes par la chanson, par la musique. Et merci beaucoup à vous. Sempre me dizes que nunca mais acontece. Cada amor eu te espero e você todo dia em cachê. Quero ver teu passo, vou seguir teus passos. Nunca deixes teu traço, não onde largas pedaço. Chantez avec nous, chantez avec nous. Aïe, aïe, aïe. Sempre me dizes que chante, nunca mais acontece. Toda uma hora te espero e você não quer. Quero ver teu passo, vou seguir teus passos. Nunca deixas teu traço onde largas pedaços. Vamos embora agora. Chantez avec nous, tout le monde. Allez-y, plus fort, plus fort. A chercher encore une fois, à chercher encore une fois, à chercher. Otra